Avec trois incendies, j'ai choisi d'aborder le thème de la guerre, ou plutôt comment la guerre et ses traumatismes se transmettent d'une génération à l'autre. Je suis partie d'un documentaire radiophonique que j'ai réalisé pour la RTBF et France Culture, où je questionnais la motivation des femmes qui partaient dans des guerres qui n'étaient pas les leurs. Dans mon roman, on fait la connaissance de trois femmes qui cherchent à se réapproprier leur destin et dont on suit le cheminement. Alors, il y a d'abord Léa, qui est une petite fille qui fuit les Allemands sur les routes de l'Exode. Nous sommes en 1940 en Belgique. Et puis on découvre Alexandra, sa fille, grand reporter, et qui se retrouve en 1982 à couvrir la guerre civile du Liban. Et enfin, il y a Mariam, la petite fille de Léa et la fille d'Alexandra. Mariam vit à Bruxelles, elle a 20 ans, on est au début des années 2000. Mariam refuse la guerre et va se réfugier auprès des animaux. Trois incendies, c'est une histoire de filiation et de mémoire, qu'elle soit intime, photographique ou universelle.